parce que nous ne pouvons pas parler de pays loc. Et nous songer et moment triste ça y est que on était dans opposition, toujours dans opposition avec un secteur démocratique, une opposition radicale. C'est là que l'adjectif l'a sorti. Qui mettait tout le monde en prison dans le pays pendant 3 mois, s'il le faut. Pour une seule raison pour le président Jovenel aller quitter le pays. Comment nous-mêmes nous vivons le moment ça, famille, amis, et pays, je dis, il y a des douleurs de pays. Donc, auprès que chanter fait sous ça, à toi, à raison, pays, donc là, bon, non. Bon. La parole est à la défense, peut-être. Pas à la défense, peut-être. Ou à l'explication. À l'explication, bien sûr. Et c'est ton stratégie de combat. Notez quoi, Haïti en tant que pays. Même si on est dans tout grand pays, regardez ce qui a passé à New York là. Il a accusé un gouverneur d'agression sexuelle. Il démissionnait. Nous pensons au monde qui est président de la République, c'est l'État qui a dirigé, il y a 3 bagailles qui t'a dû animer. Peuple là, territoire, l'État. Et c'est ça qui est arrivé en 2004. Guy Philippe, une quantité d'espace que le prend, blanc justifié départ Jean-Bertrand Aristide que ou pas contre le territoire. Au cap tombé, port de paix tombé, telle zone tombée. Nous t'es pensé, il y a un président qui a une responsabilité pour le gérer au peuple, les doués, qui ont une idée de ce qui a passé en d'un pays à chaque matin, même à travers le monde. Si le pays est arrivé là, le président va arriver dans le palais, nous pensons que c'est une petite révérence de faiblesse. Ça. C'est ça que vous prouvez en partie que le président n'a pas contrôlé rien pour nous prouver ça, c'est peut-être ça que nous t'es voulu prouver le monde entier que le président n'a pas contrôlé rien. Il n'a pas contrôlé le pays. Et qu'est-ce que vous avez voulu prouver également au peuple? Le pays a fermé. Maintenant, ça ne peut pas passer pays loc là. C'est tant que le pays a fait loc là qui va un problème. C'est pas pays loc qui va un problème. Tout le monde découvre que si pour Jovenel tombe, il faut une stratégie qui jette Jovenel, nous fait pays loc. Mais son gélène sous 3 jours. Tout le monde dit qu'il n'est pas tombé sous 3 jours. S'il fait 4 jours, il va tomber. Là, nous disons qu'on peut dire, ah mes amis, comment c'est fatigué, ajoute un jour encore. Et c'est ça qui va mener tout le temps à pays loc là. 3 mois. Bien sûr. Nous comprenons que le pays a payé conséquences. Il peut même comme sur dans la guerre d'indépendance. Touristique, culturel. Il est arrivé sous Dessalines. Je dis à Napoléon Dessalines. Dessalines te dit couper tête, boule caille. C'est des stratégies pour te permettre que les Français quittent le territoire. Nous c'était l'époque. Époque, là. L'infrastructure t'a prêté pour nous. Eh bien, nous-mêmes, nous ne pas venir avec un pays loc pour nous permettre conséquences à eux, pays à subir. Nous venons avec un pays loc pour nous débarrasser pays de Jovenel Moïse. Mais malheureusement, songez bien que les batailles entamées, il y a des leaders qui lancent ces batailles-là. Mais en cours de route, il y a de leaders qui peuvent émerger dans la bataille-là, qui ont inspiré plus confiance que vous, qui sont beaucoup plus agressifs que vous. Moi-même, beau plan, je dois attendre des raisons, je me dis, ah, monsieur Fonfé, mais vous ne pouvez pas parler au cas. Il dit, ah non, moi, je ne peux pas parler, non. Qu'est-ce que dit même bagaille Parlement et sénateur Beauplan et que Parlement badigeonné de matière fécale et pas gagné qui est capable de contrôler ça? C'est pas contrôle là. Ouais, mission a fait là. Il y a tellement intéressant et puis il y a l'autre émission, on a piété sous lui. Ou pas, on nous compte qu'il y a 10 minutes qui passent en plus. Non, monsieur, que y a quelqu'un qui a ramené ma loi. On dit, non, sénateur, faut nous finir. Ok, sénateur, dernière question. Vraiment, 30 secondes. Pendant, par exemple, la programmation a rappelé ma loi, m'a obligé de fermer. Bien sûr. Et, moi, privé tout, il a obligé de fermer son peut-être. C'est en convergence d'idées. Son équipe qui a un problème, qui a le même problème qui est dans la rue. Pendant nous-mêmes, politiques, nous dans la rue, mais les professeurs qui pas touché, sans que ce soit notre activité, dans la rue, tout. Ouvriers, ils viennent dans la rue. Chauffeur ou vient dans la rue. Des fois, ce n'est pas des gens que ont un contrôle qui vient dans la rue. Chaque jour, bataille a gonflé, a plus. Vous êtes en train de nous dire que nous sommes face à un grave problème de leadership dans ce pays. C'est ça qui fait que nous toujours dit faiblesse. Même au sein de l'opposition. Faiblesse opposition. Faiblesse opposition. Mm-hmm. C'est ça notre leadership collectif. Dans toute discipline, il faut un général en chef. Pendant nos sous-points, ça permet de me poser des questions. Il y a un reproche que vous faites, nous faisons 3 mois à Goumet contre le président Jovenel Moïse, mais nous ne pouvons pas entendre nous sur un monde. Parce que la petite histoire dit que le président était prêt à partir, à vous donner le gâteau, le beurre et l'argent du beurre. Mais entre vous, il vous a été impossible de désigner un homme. C'est ça seulement. Allez. Nous avons raison là. C'est ça fait nous ou besoin, mon général en chef. Pendant le pays, là, Jovenel Moïse, il est dans le téléphone. Il m'a dit non, que m'habituer dans l'ordre, il dit bon, moi, avant, pas de arriver là. Ou c'est dans l'ordre, c'est pareil. Moi. Mais faire certains il faut participer dans le fait, mais pour voir la même. Vous avez besoin de mettre ma genou, C'est où Kapalak Nègre pour le faire. Quelle humilité. Je me dis, monsieur, ça me fait président. Monsieur, je suis prêt pour me battre 95% pour voir. Palak Nègre pour moi. La petite histoire devient la grande histoire sur le plateau. Bon, Palak Nègre pour moi. Ils me font 30 à 40 secondes, je me dis, où dans le téléphone, je me dis, président.
Le président va le faire un bagaille. Comme je me dis là. Je ne pas croire que moi et ma voix, nous avons parlé ça, sur la question ça. Ma fond, on l'autre appel. Je m'invite tous les amis. Venez là, quand moi. Nous sommes ensemble. Je me dis, monsieur, je obligé de mettre le président sur le speakerphone pour me faire reprendre le message. C'est ça qui est-ce qui était là? Non, l'invité, où qu'on est. Depuis, je me dis, où qu'on est les grands ténors de l'opposition. Tout n'est capable de le président Jovenel. Et, gon plume avec papier dans mes nègres, il a mis des questions pour me poser. Et tout n'est capable de. Quelles questions déposées? Je me dis, président, tout n'est dit, c'est ma toy. Qui garantit-moi que si au moins nous retracter, si au moins nous obtempérer, qui va marcher dans le logique là. Qui ça, président, répond? Monsieur Tim, je veux jouer à l'avocat. Nous sommes du même côté. Je ne peux pas croiser avec l'opposition, mais je crois à vous. Je ne peux pas croiser dans notre ouest. Fais ça pour moi. Et il est entré dans le petit. Et je dis, monsieur, nous avons deux choix. Si nous pas accepter le marché, monsieur Kavin violent qu'on a. Parce que monsieur, tant son couleuvre qui est dans tout lit, et il a besoin de sortir, nous n'avons pas de chance pour sortir. Et je me dis, monsieur, mais qui garantit ce gain puisque c'est l'international qui a sonné? Monsieur dit, ou mettez pas là, n'est-ce qu'il y a aucun contact. Vous comprenez ça qui passe? Dernier appel, là, que je voulais. Monsieur finit de retourner. 10 minutes après, je viens parler avec l'international. Et tu as eu le président au téléphone? Dit, bien sûr. Je viens toujours lui parler au téléphone. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Je dis, mais ça, dit, ok, nous derrière ça, nous là. Je réunis l'opposition encore. Dès que je dis, c'était l'ambassadeur qui est là. Moi, je démissionne au nom de qui est-ce qu'il a parlé? Je réunis l'émission encore, il a parlé au nom de toute mission diplomatique. Pause. Le plus important. Sénateur, pause. C'est-à-dire le président Jovenel était prêt. Prêt. C'est-à-dire le c'est problème. Pas pareil, le problème. Le problème. Le problème. Pas mal tendu, mais il était prêt. On est là pour parler la vérité. Il était prêt. Le problème n'était jamais le président Jovenel Moïse, mais l'opposition. Il était prêt. Non, c'est dit son vérité. Le problème était l'opposition. Le problème était l'opposition. Pas 40 années. Il y a madame pour moi ambassadeur. Il y a pensé qui à la base du problème là. Séance de notre moi il est ambassadeur. Moi il est section politique là. Il me dit, moi je dois rencontrer tel ambassadeur. Il me dit, moi, sénateur, c'est difficile, nous avons une urgence. Il y aurait l'ambassadeur, il mettait le soleil. L'ambassadeur, il va lire. C'est comme ça que l'ambassadeur, il va lire. Dis-moi. Il me dit, voilà, j'ai une urgence pour que moi rencontre. Il dit, il va lire, viens chez moi, vendredi. Et l'opposition, vous cherchez quoi alors? C'est ça le problème. Moi. Et je dis, c'est un problème que moi, je viens avec l'opposition. Et ni moi, ni Kélibassien. Une autre petite question que je me posée. Il dit que le président Jovenel a accepté pour le bas ou même, ou bien sénateur Kélibassien. Ça, c'est dans des moments. Je ne parle pas de l'époque. Ambassadeur. Pour qui je finis ça? Une seconde. Ambassadeur a invité la Kélibassien vendredi. Il dit, je viens seul. Parce que je suis un langage diplomatique, je ne voulais pas l'avoir. Je ne sais pas si je suis nous chitons dans le question de culture diplomatique. Monsieur, il dit, Evalia, laisse-moi te dire. Est-ce qu'on connaît en pile dans notre élection? Bon. Oui. C'est l'élection ça qui a accouché Jovenel. Oui. Est-ce qu'on pensait nous-mêmes encore qu'à dire même élection ça pas bon, Jovenel pas bon? On dit non, pas quoi. Il dit mais maintenant, bye, tout le monde n'a pas pu sortir. Accepter, dit là que Jovenel, et que l'international a sorti honorablement, ou a sorti honorablement, et puis Jovenel a sorti. On dit, je ne peux pas prendre responsabilité. Elle dit, prends téléphone, elle fait un clos avec un collègue. Je fais un clos à téléphone, il n'a pas marché. Il dit si que. Ou accepter marché, ma fait Jovenel venir là qu'on est pour même avec Jonah quoi au nom de l'opposition. Ce qui m'a pas d'habilité à faire. C'est-à-dire, reste dans l'opposition, hein? Pas d'accord qu'on fait ça. N'a pas j'étais monsieur, monsieur a tombé quand même. C'est ton illusion, monsieur a tombé quand même. Nous mettre continuer à peser, monsieur a tombé quand même. Donc nous passer 3 mois à payer l'autre comme ça. Nous arrivons là. Et puis finalement, en 2019, après un pile échec, que chaque fois me face à la réalité, je n'ai pas de résultat. Parce que monter congrès américain, dans le Sénat américain, tout côté, m'a parlé, m'a porté message, dans toute ambassade, m'a porté message. Il a toujours dit, il faut me jouer une entente, il faut me rentrer dans un dialogue, il n'y a pas qu'à déchouer comme président pour mettre nous comme civils. Maintenant, finalement, le m'a capable, 2019 en décembre, m'inviter toute opposition à la Cameroun. L'être énorme. L'homme dit toute opposition, tout le monde connaît. Diopod. Non, pas Diopod. Les sables de la SDP. Secteur démocratique et populaire. Les plus importants, les dirigeants, me dit, monsieur, bon, non. Nous avons fait route ensemble. Nous sommes les trois facettes. Nous avons facette diplomatique. Je suspecte que nous avons fait échouer sur le terrain diplomatique. Nous avons facette politique. Je viens croire que nous avons presque échoué sur lui. Nous avons un grand bagage que nous avons avec nous, facette militant. Si je m'abandonne la bataille, je suis trahi. Je suis arrêté dans la route avec nous pour me faire preuve de fidélité, même quand je suis perdu. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez fait silence? Bien sûr. Je dis que je suis perdu parce que ça n'a fait là, il n'y a pas aucun livre de sens politique. Bon, posons une question, sénateur Evalier Beauplan. Et vous-même, qui ça vous a cherché?
Ils pensaient, peut-être son illusion, d'où ça déjà. Je ne crois pas aux méchants. Ils pensaient que Jovenel a tombé. Capitulation totale là. C'est que Jovenel a tombé. Moi, en dans mon diplomatique, moi, pas ouais, côté Jovenel a tombé. Bon, me pose une question directe en roi, et maintenant que Jovenel a tombé, il est encore dans la rue. C'est ça, voilà, c'est, ça fait ouais, c'est une illusion. Ils ne pas même parler pour nous absorber le choc, ça a fait. Pas même tomber, assassiner. Donc assassiner. Oui. C'est que nous ne pas parler. La preuve, on est bien grande, la société a assisté nous. C'est qu'on est en pile, on a dit, ah, bon, pour l'autre guérison, quelle était guérison, tout le monde est guérison. Mais il est trop tard. Quand nous parlait du sénateur Kelly Bastien, il était sur le plateau, c'est la première question que je m'étais posée. Il était dit, et monsieur, nous ne pas rentrer dans le palais pour le président Jovenel, même si l'État va mourir, nous ne pas rentrer dans le palais. On s'est fort que nous chitons avec le président pour nous discuter. Personne ne parle de temps des raisons, et vous avez même mettez-les dans ces questions. C'est ça que tu Kelly dans le problème. Mal défendu, moi, je dis encore, mais ça, Kelly veut l'expliquer. Il n'a pas attendu. Et c'est en solidarité, c'est dans le bail Kelly solidarité qui fait moi-même de l'autre. Et vous mettez-nous dehors? Non, vous ne pas mettez-nous dehors. Vous voulez que même. Mais je dis pas de bon plan sans Kelly Bastien. Kelly Pape dehors, Chile dehors, Manès dehors pour Beauplan dedans. Nous tout appendant. Si c'est Beauplan seulement pour qu'il y ait un dame dehors tout. Et c'est solidarité ça, solidarité ça. Mais c'est Kelly Bastien qui mène dehors. Parce que Kelly vit nos bêtes noires. Pour même Kelly dit le pouvoir. Et pourtant, c'est en logique. Je dis à tout le monde envie d'entendre ça, Kelly, l'intelligence politique. En nous tournant, sénateur, bonne question que vous poser. On a tourné sous question proposition, ou même comme Premier ministre, Kelly Bastien comme Premier ministre, à un moment de la durée, et Joseph Lambert comme Premier ministre. Dans le combat politique, là, vous ne posez pas de question de lui. Je connais ça. Vous ne posez pas de question de lui. Vous êtes même et Negri. Sénateur lui, Negri. Et qui est qui pourrait aimer? Mon cher, très sincèrement. Vous avez appréciation au Brésil, on a fait échange. En termes de dialogue. Brésil, on a fait en termes de dialogue, bon, mais pas fanatique à proprement okay. Parler, bon. Mais ma côté. De fait, qui t'aime accepter qu'on soit fanatique Brésil. Parce que je voulais l'exemple que je m'apprends pour le temps. Prenez l'exemple, pas de problème. Neymar, son joueur, c'est vedette Brésil. Sous Remé Brésil, où tu as supposé Remé Neymar. Quel est le côté le match a tellement animé Neymar qu'on fait excès. Les causes Brésil perd un goal. Gondrib, monsieur fait, il n'y a pas de faire en plus. 6-7 juillet, c'est ça qui pas ça qui est arrivé, 6-7 juillet. Donc, vous imaginez que le peuple a des paroles dans la vie. C'est le moment où il a assassiné mon donneur, cité. Il a besoin de leaders qui montaient au créneau pour défendre nous. Ou a utilisé toute astuce pour montrer mon yo que vous comprenez ce qu'a traversé ou vous voulez contribuer dans aider au défendre de vous. Vous avez dit, vous mettez l'huile. Voilà, moi, non, radio, côté débat animé. Maintenant, ma fausse citation. De des bagages qui ont empêché bandits de rentrer dans l'assassinat. Moi, je ne suis pas bon, je ne suis pas même rendre compte. Je m'a cité, mettez barricade, mettez wash, mettez bout de bois. Je ne suis pas compte de ça sorti. Je ne suis pas bon, je ne suis pas rendre compte. D'ailleurs, le privé dans demain, ça a gagné quelques jours. Il y a qui dit, mais Kaïm a assassiné. Il dit, Kaïm a assassiné mon papa dans Kaïm. Question de déontologie, profession. Je ne suis pas participé dans l'émission Kaïm. Comment Kaïm fait parler de moi et pas invité pour me donner l'émission. Vous parlez sans pas rendre compte qu'ils sont dit. Et puis, je me dis, mais il a dit, non, les malentendus de Kaïm, il m'attend des personnes à parler de moi. Je me dis, comme je dis ça, monsieur, il y a un ça. Et puis, me dit, qui ça a été dit, monsieur? Je me dis, tu vois. Je dis, monsieur, je ne comprends pas que je ne suis pas dans l'émission Kaïm. Il dit, nous prenons l'émission, nous faisons l'autre, mais ça n'a pas Bob s'est dit, bon plan. C'est Bob Sek qui n'a mis quoi? Zami Pau. C'est guerrier de Dieu, c'est pas qui n'a mis quoi? Est-ce qu'on comprend? Bob Sek guerrier, t'es canon micro, il n'y a pas le mal. Il dit, monsieur, mais ça a dit. On a écouté l'histoire. Mais ça a dit, et puis monsieur dit, bon plan, faut t'y tendre. Enfin, on dit, c'est bon, faut attendre. Si c'est pas où, dit Bob, c'est pas où même. Mon cher, on connaît, même quand il formation en editing, comme si monter image. L'homme tendait, m'a pas rien comme coupure qui fait l'image. Il dit, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, vous venez de ses voix. Il dit, ouais, c'est moi. Donc là, plié rapide pour me présenter, excusez-moi, monsieur. Et puis me dit, société, ça, ce n'est pas discours Beauplan. Donc, ce moment, tu es tellement animation à fait, tu as envie de parler, montrer mon que au moins, moi, touché par le problème, ça a échappé. La prochaine fois, je prends la parole, je prends plus de temps, je prends plus de précautions pour que type de mots, ça, parole, ça va sonner. Et puis, je m'oblige à assumer, c'est de moi. Ou deal, maintenant, m'assumer. Et que moi, je crois que niveau PAM, je n'ai pas parole, même si je me fâche, je me content. Donc, en faisant ce mea culpa, que peut-être auditoire a compris et accepté. Et que auditoire a accepté et comprend également. Vous voulez dire que grand pile de bêtises, grand pile de dérives qui fait tout dans le combat en Haïti, dans le combat politique. Dans tout combat. Maintenant, trois mois pays, le peuple a. On nous garde Zidane. Bon exemple, Zidane. On t'a regardé devant l'Italie. Ce n'est qu'il n'y a pas un message de Zidane. Il y a une parole qui dit dans le football là, que personne ne va connaître et puis monsieur, il faut que tu te. Bah!
c'est pas le Zidane, que tout le monde connaît. Mais quand même, tu as une réaction par rapport à une situation donnée. Absolument. Maintenant, on comprend très bien et peut-être pas même une question qu'a posé sur Prince encore, surtout sur la question de là. Et sénateur, donc. Oui, facile pour moi. Non, pas moi, des Zidane, facile pour moi. Non, l'histoire comprendre et ça fait nous dire peut-être. Même si le gouverneur de New York, là, il croit que. Faut le démissionner, moi j'ai une parole qui va ça, et que en plus les amis journalistes, ah bon blanc c'est pas de haut. Ne pensez que l'auditoire là, ça comprendre ça, bon, le fait que là, c'est la preuve que au moins la société peut être capable de pardonner, mais éviter que ça reproduise. Bien sûr, bien sûr. Maintenant, on regarde et encore, pays bloc. Trois mois. En pile bêtise, en pile dérive politique. En pile. Contre un président. Que nous n'avons pas une capacité pour nous unir, pour nous jeter, parce que le pouvoir était à votre porte. À chaque fois, les venir nous bousculer le pouvoir là. C'est même bien question, lorsque Jean Rissert est Premier ministre aussi, vous ne pouviez pas vous entendre, soit pour l'accepter ou faire une autre opposition, et c'est ce que nous appelons l'opposition dans l'opposition. On vous a proposé un moment d'assurer comme Premier ministre. Qui ça fait ça pour pas de Jean Kamaché? Bon. Moi, juste rappeler des lignes de combat. Moi. Et c'est l'engagement de Braque, monsieur. Facette militant, je vais trahir les lignes. Si je n'ai pas avancé, il faut m'avancer avec vous toutes. Dans l'heure, le président Jovenel a parlé avec moi. Ce n'est pas tout le monde qui a accepté que je parle avec le président Jovenel. Il y a des gens qui te croient que c'est normal. Les bons pour nous connaître ce qui passe dans l'autre côté de la barricade. Il y a d'autres qui ne comprennent pas, qui t'ont utilisé comme des barrières policiers contre moi. Est-ce que c'est accusé que moi une question entre les lignes. Est-ce que c'est parce que c'est pas Théo peut-être? C'est pas Théo. Il t'a souhaité c'est yo. Parce que Gonti chantait comme ça. Oui, c'est pas Théo. Pas bon. Et il y a des gens qui rencontré Jovenel le soir. Et me t'a dit Valérie Numa, en pile nèg pas là avec Jovenel, Moïse, Gogren nèg qui accepté deal. C'est beau plan. Et m'a toujours dit. J'avais cette information. Et si c'est Jovenel Moïse qui t'a dans l'émission là, il t'a vrai dit combien de monde qui parle avec lui. On t'a saisi dans ça. Et président t'a dit ni. Je parle avec tout le monde en opposition, a dit le président. Et ça, on va comprendre. Il y a plus de monde qui parle avec Jovenel sur le téléphone maintenant. Vous comprenez ça, ça veut dire? Est-ce que vous comprenez ça, ça veut dire? Si on va comprendre, je vais se poser une question. Ça. Je ne comprends pas. Ça veut dire que je parle avec Jovenel Moïse. Je compte là, et puis je passe sur l'autre téléphone, je parle avec Jovenel Moïse. Comme homme d'État, je ne parle pas de personne qui parle avec Jovenel Moïse, sauf lui-même qui vient pour l'assumer. Que nous t'ai dit ça, peut-être question plus rapide, mais réponse à coûte. Auditoire là-bas comprendre ça parce que nous avons rapide temps. Mais pour qui ça, nous avons fait la population ça? Berner la population, réduire les affaires personnelles, faire sentir fond combat politique. Yo, bon et le peuple aller, meurt. Il y a un côté où vous voulez aller, il n'y a pas expliqué peuple. Qui côté vous voulez aller alors? Bon, il y a un avoué. Moi-même, je suis livre ouvert. Et c'est ça qui fait force. Moi. On va parler de trois mandats, ça fait force. Moi. Je ne parle pas avec Jovenel Moïse, je ne parle pas avec lui. Je ne parle pas avec lui. C'est que je ne parle pas avec lui, je ne connais pas si je suis sur le speaker, je ne peux pas attendre. Jovenel Moïse, on est avec 11 ans, et puis Zamia dit bon, je ne parle pas avec le président. Bon, il y a tel bon côté, je ne parle pas avec le président. Je vais transférer le médecin là-bas, monsieur. Qui ça pour me dire? Et finalement, c'est ça, peut-être pour retourner à la question, là, qui fait pas arriver Premier ministre. Parce que moi, je comprends que l'opposition pour comparer, pas de maturité assez pour assumer. Ça que moi je lis dans le livre Sciences politiques. Il a été proposé et qu'il est basé comme Premier ministre également, ça que ça va marcher. Parce qu'il est toujours tient à ce que bon accord large avec toute l'opposition. Et c'est ça moi-même beau plan, moi t'es vrai. Et mois d'avril, moi-même avec Jovenel Moïse, on a parlé de ça. Les présidents sont à quoi vous chercher. Pour que ça, un an, ça n'a pas partagé entre eux ou même les peuples là, puisque sont un an qui contestaient. Si je ne place pas, on a fait 6 mois, dans un an, on a quitté l'autre 6 mois. Et que le Premier ministre moyen, il porte responsabilité. Je me dis, monsieur, peut-être que Madjo t'a pardonné ou moi t'as sorti plus ou moins bien. Tout le monde t'a sorti bien. Et l'opposition, t'as besoin d'une fenêtre pour rentrer dans le pouvoir. L'opposition est tellement poussée loin, mais dans ce pas où une fenêtre pour y entrer, quand il y a une difficulté pour y entrer. Et si moi-même, je voulais, avec petit groupe PAM, des nectars qui sont basse, des nectars qui sont malades, ce n'est pas pour venir nous. Si pour venir nous, il faut au moins bagarre à l'âge pour l'autre rentrer tout. Et je me même proposé le ménager pour le bon Premier ministre. Même si pas moi-même qui Premier ministre, pour m'accepter mes mandats gouvernement. Je me dis, monsieur, il y a des gens qui ne peuvent pas gommer entre eux, dans la politique. Il y a une dimension, ils ne peuvent pas gommer entre eux. Ils vont passer peut-être qu'il y a des complicités des deals. Je me prends de non. Et que malheureusement, sans jamais, c'est pas nous-mêmes qui avons conseillé le président. Moi, je ne sais pas, je ne parle pas avec lui. Donc, conseiller politique, il ne connaît pas. Peut-être qu'il n'a pas bien tombé côté. Alors, sénateur Kélé Bastien, comme il a été dit, il n'a pas utilisé lui. Et c'est le président de la République qui conseille ses conseillers. Bon. Dit, et au contraire, ça me regrette, c'est que Jovenel Moïse, je me suis plaint de la situation là même. Que le DIM a envie de charger de tout ça.
Il a envie de dire, il dit le public pour tout. Tu dis, chaque monde qui a un monsieur en suspens. Le deal, il finit de parler, il fait exprès, il prend une vidéo, il voit moi. Quand on lui dit, wow. Ça veut dire qu'il prend une vidéo au côté, il finit de prendre la parole là, il voit moi. Jovenel Moïse prend adresser la l'opposition, il est devant son aide, il dit, Bob, quand il me dit, monsieur Blanc, est-ce que vous avez branché le TNH? Il dit, opposition président, je vais parler, monsieur Mbal parler avec nous dans la montagne de message. Il a motivé. Mais moi, je fais message, ça va passer. Je ne connais pas pour contre moi. Moi, je tiens à ce qu'ils font à accord politique. Mais à accord politique, il doit être bon pour les taux. Pour que tout le monde l'adonne. Et je dis, c'est même à accord politique, c'est lui qui a l'ordre du jour. C'est lui qui a cherché. C'est lui qui a l'ordre du jour. Et vous, le bagage, vous ajoutez nous. Pendant ce temps, je m'a rencontré tout diplomate. Et je dis, j'ai eu un mandat officiel de l'opposition pour rencontrer tout diplomate. Que ce soit en Haïti ou à l'étranger. Je dis, pendant que je suis en SDP, depuis que je rencontre un diplomate, c'est un problème. Je rencontre un lauréat, c'est un problème. On a fini sur ça, parce que tu as rencontré le diplomate Daniel Fuchs, envoyé spécial des États-Unis en Haïti. On a fini sur lui-même, les poser où peut-être une question pour essayer de comprendre. Un grand homme politique, que nous parlons de citer dans l'État, là, tout, peut-être question de discussion, qui dit que souvent, les gens qui ont mené bataille, ce n'est pas eux-mêmes pour eux, c'est eux qui sont derrière le ça, quand arrive. Parce que c'est un coup bandit qu'on dit, c'est pas eux-mêmes qui gagnent des âmes, c'est pas eux-mêmes qui cachent des âmes, non, c'est moun qui bat aux âmes, non, pour moun, ouais. C'est moun, peut-être, pignon sur rue, qui dit que là, ouais, politiciens devant scène, non, c'est pas les mêmes pour eux. C'est-à-dire, les politiciens ont des maîtres. Bien sûr. Peut-être que t'as quand même fait des bagailles, ils sont pas capables à cause de mettre eux, c'est ça, vous voulez faire, non, pourquoi? Parce que la majorité des gens qui font politique, nous avons mis assez à eux pour nous réfléchir ensemble, avancer. Des fois, on voit qu'ils s'accompagnent les gars avancer. Les gars font même logique avec eux. Les gens venaient voter pour Venezuela, me dit, monsieur, nous partis pour 2 ans. Diplomatie, c'est une question de deal. Monsieur font deal pour Mandela. Il votait contre le Venezuela. Son sacrifice, il le fait. Son sacrifice, il fait. Au moins, monsieur a 2 ans mandat. Qui s'en a fait pendant 2 ans, ça? Regardez-vous qui dit, ah, il faut volume, on a mis dans la rue. Taylor, on me raconte peut-être une histoire directe. En question, Binu a rentré. Intelligence journalistique, ou peut-être, on ne sait pas, intelligence tout court. Il y a quelqu'un qui dit, et nous dit que, depuis Binu est entré, opposition a perdu combat. Est-ce que nous t'es ouais, ça a tout? Non, nous pas trop devant ça. Mais au contraire, au sens des dernières manifestations, nous faisons devant Binu. Ou d'ailleurs, nous avons porté message, même porté lettre, porté message. Nous pas trop devant ça. Illusion fait quoi que volume moun kap dans la rue, comportement population mette jovenel dehors. Et nous-mêmes, nous avons pensé que, comme si même j'ai un grand pays, depuis moun n'a pas qu'à diriger la volonté de démissionner. C'est une illusion, oui. Donc, on a précité des bagailles que nous avons dans le grand pays. C'est donc quoi jouer Stade Silvio 14. Et pour contre, c'est Maracanã qui va jouer. Je ne vais pas comprendre. C'est-à-dire que il y a des bagailles qui ne sont pas applicables à ce stade-là, il n'y a pas de tout public, ça, tout bagaille. Et puis, vous pensez. Vous pensez que c'est une illusion, ça. Nous d'accord sur le plateau avec l'opposition consciente, quelque part, quel a été le problème et quel est encore le problème, à travers les explications. La phrase n'est pas dite peut-être de cette manière. L'opposition a été le problème, mais je dis à l'opposition constater qu'il y a un problème. Et qu'elle n'est pas innocente. Parce que l'entendre d'un problème là, l'a répété, ou pas nous compte des problèmes. C'est là qu'on est, ou face à la vérité, on vous dit, mais avant, t'as des problèmes. C'est là qu'on son match au fin de jouer. Ou prend un gol là, ou pensez à Bit là, t'as des fautes, il va sanctionner. Et pour pas le regarder, cassette, on dit là. Mais c'est où t'es crétin. Ah, monsieur, là, on t'es péché. Crétin. Mais le mot est trop fort. L'opposition a regardé cassette, on dit là, nous t'es péché. Vous ne voulez pas reprendre. Est-ce que le mot est trop fort? Peut-être si la nature bat aux chances pour refondre l'autre combat, il va faire le genre. On connaît dans ça. Ok, sénateur Évaluard Beauplan, nous voulons finir sur Prince. Vous n'avez pas voulu vous asseoir avec le président Jovenel Moïse quand j'ai dit vous l'opposition de manière générale. Non, c'est pas que vous m'avez prêché. Non, quand j'ai dit vous, pas contre moi, maintenant, automatiquement, la majorité a décidé de faire café autrement. Moi-même, Kéli Bassin était toujours prêché à ce que nous jeunes terrain d'entente avec Jovenel. Quand le Jovenel Moïse est en montée machine, il a imposé le follow-up, je dis. Finalement, je me fais agression sur les qui relèvent pour dire, mais président, je me dis même, je ne vais pas bon, je ne vais pas ou dire, président, je ne vais pas dire ça. Je dis, monsieur, moi, je ne vais pas là. Vous comprenez ça, ça veut dire? En politique. Donc, sous la politique du Valier, après, vous êtes assassiné. Vous ne pas comprendre. Ça veut dire que vous arrivez face à un pouvoir, même dialogue ou pas décidé. Vous refusez ou pas parler avec le président. Des avantages que j'ai, c'est moi qui prends le contact là. Ça veut dire que le message, ça aussi, moi qui viens joindre. Et réponse sur ce passé par moi. C'est d'un coup, c'est moi-même qui dure. Et monsieur, qu'on reproche, la petite qui est-ce qui grandit, qui est-ce qui parle. La proximité de la famille, je ne vais pas quitter dès que je fais ça. Finalement, il finit par comprendre moi.
dit ouais que c'est mauvais que ça. N'a point un rendez-vous certainement. Dans l'équipe, hein? N'a point un rendez-vous certainement pour nous continuer à parler de ça parce que nous étions à Foncalade, mais il y a des points pour nous retourner sur vous avec vous, sénateur, évaluer vos plans. Nous rencontrer Daniel Foot, de qui ça nous parlait? Nous parler de questions d'insécurité. Hein? Et puisque l'international croit que faut une alternance politique, il faut qu'on côté privé, élection faite dans le pays pour changer personnel politique, d'autant plus élection par exemple faite. Pour nous arriver dans l'élection, ça, il y a plusieurs bagailles pour nous mettre sur table là, qui sont insécurité. On est déjà. Nous parler de lui, comment l'international a supporté nous pour au moins nous capables de combattre ça qui est là, pays qui est gangsterisé un peu partout. Nous parler du conseil électoral. Mon conseil électoral qui est choisi de manière unilatérale par l'équipe de Jovenel. Je ne dis pas inspirer personne de confiance. Il faut que acteurs ou participer dans le choix conseil, nouveau conseil électoral. Nous parler des quatre électoraux là. Des gros scandales, des malogues, des choses comme ça. Et puis des quatre qui peuvent encore expirer. Et puis quand les quatre qui viennent nous, qui ont fait plusieurs quatre, nous parler de ça. Nous parler du gouvernement Ariel là. Le gouvernement Ariel là, Ariel manque de légitimité. Ou bien pas rien du tout. Parce que la constitution le dit que le premier ministre doit émaner du Parlement. C'est le président choisi, ratifié par le Parlement. Le Parlement est dysfonctionnel, le monsieur n'a pas de légitimité ça. Maintenant, l'on n'a pas de légitimité ça. Maintenant, il faut chercher, puiser de l'autre côté. Pour jeunesse, les acteurs politiques et la société civile, en travaillant à la copolitique dans le Badil. À quoi ça le gagner? Les premiers ministres. Donc, si nous ne corriger ça, maintenant, nous ne pas arriver au côté, il y a un monde sans légitimité qui mène un pays, qui mène vers la dérive. Maintenant, le pouvoir que nous habituons, au point de vue culturel, même constitutionnel, même institutionnel, son pouvoir bicéphale. Un président avec ses attributions, un premier ministre avec attribution pâle. Maintenant, il n'y a pas qu'à déléguer le pouvoir président à premier ministre, vice versa. Parce que nous prenons exemple, vous connaissez déjà, le président, c'est lui qui choisit l'ambassadeur. Si il y a une nouvelle directive politique, c'est le président qui s'en charge. Un premier ministre qui choisit. Le président, il faut lever à décision de justice pour bien appliquer. Le premier ministre n'a pas fait. Le président, c'est lui qui préside le conseil des ministres. Il n'a pas fait la place. Le président, c'est lui qui nomme les conseils de banque, le directeur général de la police, même si c'est un conseil des ministres. Les directeurs généraux de banque. Les directeurs généraux, il n'a pas fait. Sauf si il y a un accord politique qui dit oui, non, le premier ministre a un mandat pour le faire. Face à tout ça, nous plaidons à ce que le pouvoir bicéphale, avec attribution à chaque individu, pour que chaque monde. Nous parler également de tremblement de terre là. Je vous dis, l'élection est à nous avancer plus longtemps, plus loin par rapport à pays à genoux. Nous pas qu'à quitter un pays à genoux et puis nous n'avons pas parlé des de politique de l'élection. Nous n'avons pas qu'à garder des gens qui n'ont pas encore. Donc nous parler de tout ça avec foule. Et lui conscient que l'international, des fois, qu'on est posé le trop dans ce qui est rapport à problème pays. Hein. Je veux dire, il pensait que l'international pour un recul plus prudent dans le comportement par rapport est-ce à est-ce que nous avons assurance que nous bien gouvernement ou pouvoir bicéphale, on ne sait pas, son dans combat. Les heures, dans les jours, dans les mois qui viennent. Son combat, et Ariel, en tant que médecin, M. Ganiveau, pour comprendre que le pays a dit halte là, il n'a pas qu'à avancer, il n'a pas qu'à avancer pour lui. Donc je dis, il y a une équipe qui a monté, même une belle équipe, qui t'aime quitter la longue réunion avec de grands synédrés, pour au moins nous prendre responsabilité. Non. Parce que ce n'est pas dit nous pas, il faut que nous prenions responsabilité. Et responsabilité, ça, grand pile nègre qui motivé, il faut que nous prenions pour empêcher que le pays aille la route. Et n'a rappelé Ariel à l'ordre pour nous dire que pour continuer pas qu'apporter responsabilité. Ça, merci beaucoup, ça. Sénateur Evalier Beauplan. Non, peut-être pas bien tout le temps devant nous, même parce que nous avons fait un bon tir aller dans l'émission aujourd'hui. Et tant que nous c'est peut-être la première fois de toute une série. Et il faut que parole politique au palais. Et puis souvent, pour une compréhension, échange, et puis pour l'histoire